Donc là, c'était nos cultures d'été. Et ce sera nos cultures d'hiver l'année prochaine. Donc on avait de l'ail, des oignons, des haricots, des salades, tout ce qui était parti irrigué, arrosage aérien. Et donc suite à ça, j'avais commencé à faire un couvert au mois de juillet, mais il a fait trop sec, il n'a pas levé. Mais j'ai semé parce que s'il y a une pluie, voilà, ça partira. Radis fève et radis chinois. Et c'est pour ça que la fève, elle est en avance ici. Je pense que quand j'ai broyé l'autre jour, elle devait être en train de germer, ou elle avait, avec la pluie du 15 septembre. Donc celle-là, c'est celle du semis juillet. Ouais, mais j'en ai ressemé par-dessus. Alors du coup, je suis pas sûr, mais parce qu'elle germait pas. Mais alors, je pensais pas que la graine aurait attendu 2 mois. Et autant en. Ouais. Alors tu vois, il y a différents stades entre celui-ci, celui-ci et puis celui-ci. Donc ça. Alors. Ce qui m'épate, c'est quand même que je suis passé avec le rotovateur, mais comme je passe assez vite, si ça se trouve, ça n'a pas tout bouleversé, ça a pris une motte et puis ça l'a un peu renversé. Ouais, puis après, c'est de la graine qui a bien être en profondeur. Oui. Alors que mon premier semis, je l'avais fait plutôt en surface, puis l'été, pour le radis chinois, ça aurait pu aller s'il y avait une pluie, mais pas la fève. Donc je pense qu'elle était partie à germer, et puis le fait de la rebrasser, ça ne l'a pas trop dérangé. Donc là, t'as remis. Févrole et puis tous les autres. Donc j'ai commencé par Févrole, je passais un coup de rota, et puis après semis à la surface de seigle, radis, mince, tous les trèfles, vesse, et puis et roulage. Roulage, et puis après semis de fumier de. Sur la base de ma tonne, fumier de chèvre et bois doux. Oui, c'est du bois doux, c'est du bois. Ouais. C'est du bois, c'est du bois. Non, non, il faut bien appeler ça comme. J'avais pas de nom pour ça. Fumier, toujours avant les engrais. Ouais. Vaut mieux fertiliser un engrais vert que la culture. Et puis après, voilà, c'est parce que je le laisse en surface, je ne l'intègre pas, donc il va se travailler, j'imagine, dans l'hiver tranquillement. Quoi. Et puis j'avais. C'est pour ça aussi que j'ai pas enfoui la matière organique, le bois parce que qui participe à l'activité biologique et puis qu'elle crée pas de fin d'azote. Donc c'est des déchets de peupliers, des corses de peupliers, des choses comme ça, donc je pense que ça peut vite se bouffer. C'est pas des gros morceaux de bois non plus, donc ça peut vite se bouffer et j'ai peur de faire une fin d'azote. Je préfère du coup faire ça tous les ans, une petite tournée avant mes couverts, je disais tout à l'heure, à 20 € le mètre, la tonne rendu ici. Sinon, le compost qu'on touche, c'est entre 30, 35, et voire 47 une fois épandu. Le gars, il peut venir les pendre, 47 €. Et je préférais que ce soit pas composté. Et que... Oui, parce que celle-là, c'est vraiment pas cher. 20 tonnes, ouais. C'est presque pareil que la maquette. C'est moins intéressant quand même que ton compost. C'est quoi, c'est 10 tonnes. Oui, c'est 10, mais bon. C'est moins carboné. Oui, et puis c'est beaucoup plus grossier, quoi. T'as des compostes. Ouais, ça je m'en foutais. Ouais. J'aurais pu avoir des gros morceaux, c'est juste que là c'est des trucs plaqués. Et le liseron, il te fait pas peur là ? Le liseron ne me fait pas peur, non, parce que je vais quand même retravailler le terrain au printemps. Oui. Ce qui me ferait plus peur, c'est ça pourrait être les graminées si j'étais en non-travail du sol. Ces petites graminées là, elles vont pousser. Elles vont pousser très vite. Au printemps, elles vont redémarrer. Ouais. On peut descendre plus bas pour voir un autre essai. Donc là, c'est pareil, c'est une partie légumes. Donc ça, c'est une des parcelles qui est séparée en deux. Donc il y a aussi une autre parcelle de l'autre côté. Et du coup, les deux parcelles font plus de 7000 m2, donc on a souvent du rab. Et là, il y avait un sorgho pour attendre dans l'été. Quoi. Et comme il était assez beau, j'ai fait le test de semer le mélange sans. Je l'ai fait ici, puis sur une autre parcelle, sans travailler le terrain, sans passer le rotovateur. Donc juste semer à la volée, rouler, et semer, broyer et rouler. Et on voit, ça commence à pointer, la févrole quand même. Là, donc, il y a des résidus du sorgho.
Mais je pense que le trèfle et tout ça, va, avec la pluie qu'on a eue, là, il va sortir. Il sort. Il sort déjà, là. Ouais. La veste. Le trèfle arrive. La veste. Qui a plus d'avance ici encore. Ouais, le trèfle. Là, il y a du... Donc. T'as mis du radis ou. Ouais, il y a du radis aussi. Ouais, c'est ça. Et donc ça marche, mais c'est bien quand il y a une pluie derrière, et c'est bien quand je pense qu'il faut bien rouler. Et là, j'ai apporté du coup la matière par le paillage du sorgho, par la paille un petit peu du fumier et par le compost un petit peu. Ouais, qui permet aussi de finir de recouvrir, ouais, de ouais. Tasser. Parce que sinon, même en plein hiver, j'ai semé de la févrole à la volée comme ça. Et ça non. La pousse est trop lente, ça a le temps de se faire grignoter un peu. Ou alors ce serait typiquement un... Voilà, si tu fais ça, tu mets pas de févrole, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est dommage de passer à côté de la févrole, quand même. C'est un système qui pousse vite, qui apporte vite de la masse, de la biomasse, plus que du trèfle encore. Ouais, dans ton mélange, non, t'as la veste aussi. Ouais. T'as plusieurs légumes. Mais l'an dernier, sur les mélanges, sur 10 tonnes, ça m'arrivait d'avoir 7 tonnes de févrole. Ok. Ouais, sur ton mélange hiver, là ouais. Ah ouais, il donne à ce point-là. Bah parce que j'avais forcé la dose en février. Globalement, on dit que la minéralisation, c'est 40% au printemps et puis 60% l'automne. L'été, ça se calme un peu parce qu'il fait sec. Bien que nous, on arrose, donc puis on bine, alors on minéralise. Mais en grande culture, ça donne plutôt ça. Mais les besoins des plantes, c'est souvent mai, juin, juillet, août, quoi. C'est là où ça demande tout l'azote pour la saison, pratiquement, quoi. Après, les poireaux, les choux, tout ça, c'est un peu plus tardif, mais au 15 septembre, il faut que ce soit joué quand même. Nous, après, si... moi, ici, ouais, l'effet du bois aussi, c'était de faire une petite fin d'azote, un peu, pour prélever aussi l'azote qu'on pouvait avoir dans le sol, quoi. Qui reste, et puis parce que les systèmes racinaires sont pas encore implantés vraiment à l'automne, ça va venir fin d'hiver ou début d'hiver, c'est là ou au printemps où ça va pomper. Mais une première en courge, donc ce que j'ai semé l'an dernier, c'était ce mélange là, la seigle, févrole, facélie et pavesse. Ça remonte venu plus tard. Et du coup, ça fait un beau couvert, on arrive à 10 tonnes, calculer 10 tonnes de matière sèche, que j'ai roulé, et puis je pensais, on a planté melon, courge, de ce côté-là, dans le paillage, couché, et après une autre partie broyée. Je ne sais plus où c'était exactement, ça ne se voit plus trop. Mais en tout cas, on a vu une bonne fin d'azote, parce que le couvert est trop riche en... je pense en seigle. C'était pas non plus un précédent, il y a eu 3 ans avant de fraise ici, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de réserves pour une activité biologique très importante. Ce qui nous fait dire qu'on ne remet pas un sol en vie comme ça en claquant des doigts, surtout quand on prélève un truc, quand on prélève avec du seigle. Donc fin d'azote pour les melons, les courges, tu vois, sont très peu développées. Je pense cumuler aussi avec des conditions de printemps froides pour les courges et les melons, là, ça a été compliqué pour eux. Même en partie, travailler autrement. Et puis après, un problème de graminées qui repoussent, comme là on peut le voir déjà à l'automne, qui repoussent et puis qui est gênante pour le développement. C'est pour ça que j'ai broyé l'essai melon qui était ici. Parce qu'il y avait trop de graminées et puis ça faisait rien. Quoi. Et tu dis que le chardon il a apparu depuis quand ? Non, le chardon il a apparu un petit peu au printemps. Là il y en a un petit peu. Bien, ce serait de l'arracher. Tout le monde a des gants ? Mais il était déjà implanté. Oui, il y avait déjà. Je dirais pas plus que. Bah, pour l'instant, pas plus que si on n'avait rien fait ou si on avait cultivé. Et là je dois ressemer févrole. Un truc en accentuant légumineuse, pas trop de seigle, peut-être comme tuteur, mais pour la veste ou des choses comme ça, mais surtout accentuer trèfle, veste et févrole, pour essayer l'année prochaine des choux, poireaux, céleri et courge.
Donc pareil, en faisant les mêmes en recouchant, tu veux le retrouver? Ouais, ouais, l'idée c'est quand même de que coucher ou que broyer. Il y avait des petits essais avec plastique là-bas aussi. Et déjà rien que là où il y avait du plastique, ça chauffait plus et ça s'est développé plus que là où il n'y avait rien. Rouler et bâcher. Rouler et bâcher après plastique. C'est vrai que j'avais des retours, que ça marchait bien. Ça. Ouais. Oui. Et du coup, c'est pour ça que ça nous conforte de faire ça en plein champ, mais dans nos parcelles pour des essais de culture, quoi, de production. De rouler et bâcher avec une bâche tissée qui est assez lourde, aussi plus lourde qu'une bâche plastique, et qui permettrait de... Ce que ça va changer, c'est la température du sol, en fait, la ouais. bâche, juste, oui. et puis bon, la minéralisation aussi. Ouais, ça va aller plus vite quand même aussi. Oui, ouais. Ah ouais. Au printemps. Et pas être obligé du fait, si on bâche, on n'est pas obligé d'attendre un stade précis où on peut le faire presque au dernier moment avec un peu de striptease au milieu. Aérer quand même le sol parce que entre ce qu'on a fait là et puis nos essais de l'an dernier en structure, on voit bien que quand même si c'est travaillé un petit peu sur le rang, ça oxygène plus. Ouais, ça démarre mieux. Ou alors, faudrait ce qu'on disait tout à l'heure, un petit coup d'engrais organique pour starter, pour démarrer la plante. Parce que si ça fatigue de trop, bon, on n'a pas été aidé avec le printemps humide, le mois de juin, là, mais voilà, faut que ça décolle vite. Ouais, mais c'est autant avoir un sol chaud aussi. Réchauffé. Je pense que ça t'empêche pas d'avoir un sol chaud. Enfin, le fait d'avoir porosité qui est assez importante oui. en printemps, tu vas gagner en sol chaud, moins qu'une bâche, c'est sûr, mais tu auras. L'air circule. Ouais, voilà, c'est poreux, donc du coup ça draine, donc tu peux gagner en température. Ouais, ça implique que les systèmes racinaires soient déjà un peu pourris ou un peu, enfin ceux qui laissent passer l'air. Non, parce que t'auras ta matière morte, ton bois mort qui laisse oui. passer cet air-là. Oui. Il aura quand même travaillé dans l'hiver. Quoi. Ouais. Il aura créé l'activité biologique, mais par contre, c'est pas lui qu'on va enfouir, si tu veux. C'est pas. Si tu l'as enfoui. Oui. Avec le striptile. Non, plus au retard. En fait, l'idée qu'il avait, c'était d'apporter des grosses, oui. des grosses quantités oui, de oui, matière. Oui, oui. Incorporé au sol. Oui. Genre avant ton engrais vert maintenant quoi. Oui d'accord. Toi, au lieu de mettre 20 tonnes, tu auras mis le double ou trois fois plus, mais intégré. Voilà, au moins zéro en plus. Ouais, d'accord, ouais. Et intégré sans craindre de fin d'azote. Bah, si fin d'azote sur ton couvert, c'est pas très grave. Non, c'est ça, ouais. S'il y a mais bien. Moi je suis quasiment sûr que tu n'auras pas de fin d'azote. Ouais, d'accord, ouais, ça sera passé. Parce qu'il aura absorbé un maximum, bah, là, un peu de minéralisation, comme elle dit. Ouais. C'est ce que bon, je... Moi, j'en serais quand même pas si sûr que ça, si tu mets 200 tonnes de plaquettes. Bah ouais, de la plaquette. voilà. Tu vois, c'est, après, pas c'est pareil, c'est pas plaquette non plus. Hein. C'est un bois frais, mais c'est poussiéreux un peu. Hein. Donc je me dis, ça va être vite minéralisable. Ah oui. Parce que le temps de bouffer une plaquette, c'est pas du temps. Justement, ça te fait une fin d'azote peut-être plus puissante encore. Plus rapide. Je l'imagine plus rapide, mais moins longue. Ouais, oui, voilà, peut-être, c'est ça. Plus rapide et moins longue. Mais c'est vrai qu'une fois, on avait fait des paillages en cure de bois. Et au final, peut-être pendant même pas 3-4 mois, quoi, il n'y avait rien qui poussait. Ensuite, c'est des graminées qui ont poussé directement sur la cire. C'est vrai que la fin d'azote est relativement liquide. Ouais. C'est ce que je craignais, quoi. Ah ouais. C'est que la fin d'azote n'arrive pas sur ta culture. Oui, bah, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que, en faisant cette saison, comme j'en savais pas trop, j'y suis allé prudemment, quoi. Mais si l'année prochaine, je vois là où il y a des tas qui tombent un peu, je verrai s'il y a une fin d'azote. Moi, pour éviter la fin d'azote, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis de broyade d'échevelle en surface. Et avec les jus du broyat, ça compense largement la fin d'azote. Après, moi j'ai un produit, il y a de la tonte, il y a des feuilles. Ouais, c'est déjà complet. Ouais, c'est déjà diversifié comme ça. Pour bouffer ton carbone. Donc là, je ne sais pas trop encore si je reprends le sol, juste griffé pour intégrer ou alors occulter et puis ressemer au printemps. Peut-être ce que je vais faire. Ressemer une févrole et puis implanter au mois de mai-juin les courges, quoi. Parce que ces graminées là, je pense qu'elles sont bien parties et si on n'y fait rien, on va faire un beau tapis, ça va bien prélever.
donc là c'est très compliqué là maintenant pour planter une févrole quand? Dès que je peux. Dès que c'est prêt. Dès qu'on voit que l'égraminé. Ouais. En février, mars. Ah, plutôt, hein, plutôt. Si je pouvais occulter là, septembre, octobre, décembre peut-être. Alors c'est pas là où c'est le plus, ça pousse le plus. Mais des fois on est surpris parce qu'il y a quand même de la douceur quand même, et assez pour. S'il y a de la douceur, de l'humidité, ça peut quand même germer et puis gagner un peu de temps par rapport au printemps. Sinon c'est un léger travail du sol, genre fibro, mais ça m'embêtait un peu. On peut continuer un petit peu plus loin parce qu'il y a des modalités paillées, enfin plastiques.